Et salut les copinottes, c'est Sims Paradise, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de The Sims 4 à la fac avec Paul et Chloé. La dernière fois, je sais plus ce qui s'est passé parce que c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode. J'ai record deux épisodes cette semaine et j'ai eu un problème de micro suite à une mise à jour. Du coup, j'ai enregistré 1h30 de vidéo sans son, j'étais content. Très 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 content. Donc, heureusement qu'il y a l'option de récupération des parties, du coup je dois me retaper l'épisode. Mais je sais plus ce qui s'est passé la dernière fois, je regarde l'épisode précédent pour savoir ce qu'on a fait. Mais je sais juste qu'on est au deuxième semestre, que Chloé elle en bave et que Paul il en chie au niveau de sa compétence robotique, mais qu'à côté au niveau des cours, eh ben, il est peinard. D'ailleurs, lui il finit son semestre aujourd'hui, hein, c'est sa dernière journée de cours, et Chloé elle, elle finit un peu plus tard, elle finit lundi je crois, il me semble, elle a encore des examens à passer lundi. Mais déjà on va les réveiller parce qu'ils ont cours dans 3 heures, on va commencer par leur faire remonter un petit peu leurs besoins, ils vont avoir besoin. Donc toi à la douche, toi tu pars enlever les machins gâtés, pareil c'est bien, après tu vas manger. Tu vas manger de la compote de pommes parce que c'est important. Pour être en forme, il faut avoir des vitamines. Les pommes, c'est plein de vitamines. Voilà. Et en mangeant ta compote de pommes, tu vas me regarder la télé. Voilà, comme ça. Tu fais deux choses en un, tu remontes ta distraction et après tu iras te faire remonter ton social. Chloé, toi à côté, pareil, tu vas manger de la compote aussi. Manger un repas rapide, de la compote de pommes. Là, il y a à bouffer, il y a à bouffer. J'en profite, je les mets direct là-dedans. Parce que si ça fait comme quand j'ai tourné le dernier épisode, ils ont pas fait popper de plat les PNJ. Ils étaient pas gentils, ils étaient radins. Donc là, on va faire des trucs. T'as assez fort la télé, la vache. Je sais pas ce que vous regardez, mais... Là, il y a quelqu'un qui pue apparemment. Bah c'est Paul. Ma Paul, tu pues. Enfin voyons Paul. Allez Paul, tu vas me prendre une douche après. Dépêche-toi de manger, là. Arrête de parler. Social, t'en as pas trop besoin pour l'instant. Chloé, t'as quoi à remonter comme besoin toi? Le divertissement un petit peu aussi. Voilà, tu vas regarder la chaîne actuelle. Toc. Paul, tu vas te dépêcher. Allez en cours. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Il va pas entendre prendre sa douche. Il va aller en cours maintenant. Elle a taré de regarder la télé. Et Chloé, pareil, tu as cours à quelle heure toi? Chloé, elle a cours dans 4 heures. Ah, ça va Chloé, t'as un peu plus de temps, c'est cool. Tu vas pouvoir discuter un petit peu avec les gens. T'as rien à faire au niveau devoir. Terminé. C'est parfait ça. C'est bien ça Chloé. Je suis fier de toi. Là. Discute des saveurs de la nourriture avec la madame. Flatte-la un petit peu. Faire ouh, tu as de jolis fringues qui sont moches. Là. Et Paul, toi, j'espère que tu es parti. Hein. Oui, il est en chemin, Paul. Ça va, il va pas être en retard. Bon, il va juste puer un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Hein. C'est supportable. Il va manquer de social aussi, mais ça, c'est pas grave. C'est supportable également. Allez, Paul. Aujourd'hui, tu me loupes pas tes cours. Tu fais tout comme il faut. Dépêche-toi de finir. Arrête de manger ta compote. C'est fini. Il fallait manger plus vite. Bah ouais. Non, Paul, j'ai dit, tu arrêtes de manger ta compote. Maintenant, tu vas en cours. Voilà. C'est bien, Paul. T'es un bon gars. Et tu vas travailler très dur parce que il faut. Tu me prends des notes. Chloé, de ton côté. Hop. Bah elle laisse remonter ses besoins toute seule tranquille. Bah elle va être bien pour ses cours. Hein. T'as cours à quelle heure du coup toi? Dans 3 heures. C'est à 13h30, d'accord. Bah écoute, continue de prendre soin de toi comme ça. Moi je suis fier de toi, Chloé. Tu gères comme il n'y a pas. Comparé à ton mec, hein, tu gères très très bien. Rien à redire quoi, c'est Chloé. Compte, il y a du monde, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Que voilà, tu vas appeler quelqu'un là. Tu vas discuter avec ta belle-mère, c'est important d'entretenir les relations avec la belle famille. Il faut s'entendre avec sa belle-mère, je vous le dis. Si vous vous entendez avec belle-maman et avec beau-papa, c'est dans la poche pour votre relation amoureuse. On se demande pourquoi je suis célibataire. Coucou, ah coucou, comment tu mates le popotin? Non mais dis donc Paul, c'est quoi cette perversité là? Qui c'est qui t'appelle? C'est maman. Bah tu peux répondre, hein, de toute façon. Le temps du chemin. Ah non, tu vas pas répondre comme ça. D'accord, bah écoute, on raccroche. Tu me prends ta douche d'abord, c'est important, t'as cours dans 2 heures. Allez, tu vas te laver. Tu vas te laver. Non mais là c'est bien, c'est parce que je sais un minimum ce qui va se passer dans les prochains trucs, donc je peux un minimum prévoir. Je vais moins galérer pour ça. Par exemple, dans la premier tournage, eh ben, j'ai pas eu le temps de lui faire prendre sa douche. Je l'ai fait jouer au ballon et je me suis dit, il va prendre sa douche après. Pour faire monter son divertissement et j'avais zappé qu'il avait son deuxième cours. Du coup, j'ai pas eu le temps de lui faire prendre sa douche. Tandis que là, il a eu le temps. Là, c'est bien, là. Voilà, et du coup,
Eh ben, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement qu'il soit 14h. En attendant, il va... Non, il va jouer à un jeu vidéo sur son téléphone mobile, voilà. Lui faire remonter un petit peu sa distraction. Voilà, on est arrivé, il y a un intrus, là, un indésirable. On va dissoudre la bande. Ah, oui, je sais, Paul, tu t'ennuies, tu as besoin de distraction. C'est pas ça que je veux faire, c'est action. Ce sont les actions, voilà. Action, dissoudre la bande, voilà, impeccable. Du coup, Paul, tu vas jouer à Big Block. Chloé, de ton côté, de ton côté, de ton côté, tu vas commencer ta dissertation. Non, tu vas me commencer tes devoirs, toi. T'as tes cours lundi, là, donc gérer une entreprise et devoirs de macroéconomie. Il faut que tu les fasses bien, c'est important. Toi, Paul, c'est bon, t'as fini ton semestre. T'as plus que ta disserte à faire. Enfin, tes dissertes. Donc c'est tranquille. Par contre, Chloé, il y a du boulot. Chloé, on va carburer ce week-end. Paul, pendant ce temps, lui, on lui fera monter ses compétences bricolage. C'est important. Dire que j'avais réussi à le machiner, à faire monter le niveau, là, je suis dégoûté. Non, franchement, ça m'a dégoûté quand j'ai vu que ça n'avait pas enregistré comme il faut. Surtout qu'en plus, j'ai parlé 1 h 30 dans le vide pour rien. Donc, fabriquer des pièces. Non, fabriquer des jouets. Fabriquer un quadrilotère. Tu vas fabriquer un rouge. Après, on va le revendre. Parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Voilà. Chloé, je vais surveiller parce que t'as le boulot, toi. Voilà, t'as tout le boulot. Allez. Chloé, va au travail. Hop. Allez, va bosser. Courage, Chloé. Courage. Tu as bientôt fini ta semaine. Courage. Le calvaire est bientôt terminé pour toi. Avec 4 cours, c'est beaucoup. Du coup, Paul. Paul, mon pauvre petit Paul. Là, tu as déjà fait électrocuter, tu commences bien. Bon, bah, vu que t'es hébété, bah, tu vas travailler ça. Hein. Faire des recherches sur l'intelligence artificielle. Allez, go. Et après, tu me feras des recherches sur le bricolage. Tu vas morfler, mon gars. Tu vas morfler. En plus, tu pètes le feu au niveau de l'énergie, donc tu vas morfler. Clairement. Alors, on fait la crotte. Et après, du coup, eh ben, on reprend ça. Hop là. Allez, mon gars, tu vas pas y échapper. Hein. Tu vas me le réussir, ton satané robot, là. C'est moi qui te le dis. Oui, bah, t'électrocutes pas. Ça, tu fais le malin, mais... Parler à soi-même automatiquement. Voilà, c'est bien, Paul. Tu vois, quand tu veux... maintenant, tu peux refabriquer un autre jouet. Tu peux fabriquer un robot bavard, il te faut des pièces de robot, donc ça c'est bon. Allez, je te ferai manger après. Fais-moi ça. Comme ça, t'auras bien avancé le truc, on sera à ce niveau-là, là à peu près. Après, ce sera plus que 2 tâches à faire, ce sera nickel. Allez, Paul, fini. Voilà, nickel. Allez, rentre à la maison maintenant, parce qu'il va falloir aller s'occuper de Chloé. Hop, de retour à la maison, ça c'est bien. Alors, Paul, du coup, tu vas me prendre des restes. Voilà. Bah, prends des restes, il ira mieux. Chloé, de ton côté. Non, tu fais pas d'ordi, tu me fais tes devoirs. Il faut que je note lesquels tu as à faire. Allez, fais-moi tes devoirs, là. Tu as à peu près bien. Tu feras du divertissement plus tard, t'inquiète pas. T'as cours à quelle heure? Cours dans 4 heures, ok. Donc déjà, tu peux m'en faire un. Donc il y a la super musique qui déboule. Paul, tu es triste parce que tu manques de social. Bah, Paul, je sais pas, tu peux te présenter aux gens là qui sont là. Pendant que tu manges, hein. Tu vas faire un petit peu de social, Paul. Allez, Paul. T'aurais pu le faire en mangeant, non? Pour une fois que je veux bien que tu parles en mangeant, non mais ça n'importe quoi. Allez, présente-toi à Louis. Bon, il te faut combien de temps pour te présenter, sérieusement? C'est long de dire salut, je m'appelle Paul. Bon, de façon polie. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis honoré de faire votre connaissance et votre prénom est... Non mais ça, l'action a été annulée là, c'est pas possible. Allez, présente-toi, Polo. Chloé, t'en es où toi dans ton bord? T'as fini apparemment. C'est bien. Chloé se fait du divertissement là. continue tes devoirs de macro truc là. Ça y est, tu t'es enfin présenté. Nickel, on va lui éliminer la journée, après on va faire un petit peu de malice. On va imiter des sirènes.
On va inspirer une confiance injustifiée. Bon, il est déjà confiant, mais c'est pas grave. Et on va jouer un tour avec la poignée de main vibrante, parce que c'est rigolo. Oui, il faut que je surveille l'heure, parce que ça va bientôt partir en cours. Paul, il commence à être fatigué, très très fatigué. On se tape une conversation profonde aussi, au passage. Putain, la vache, il est très énergisé. Alors, plutôt que je fasse des interactions du jour de l'amour, moi. Se renseigner sur les biens précieux, c'est intéressant ça. Paul va te renseigner sur les biens précieux. Ah, l'autre il est parti à tous les coups. Bah, je sais pas, renseigne-toi auprès de lui. Toi tu le connais pas. Il y a quelqu'un que tu connais là dans la salle? Toi tu connais personne, c'est pas possible. Mais tu les connais pas tes colocataires. je sais ce que tu vas faire. Tu vas piéger ça. Et piéger les autres. Allez. Et après tu vas dormir. Non, arrête de parler, c'est bon, ça suffit. Va piéger les PC. Voilà. Chloé, tu arrêtes de faire tes devoirs. Tu rentres à ton cours en avance. Tiou, c'est de l'organisation tout ça. Allez Chloé, tu peux arriver à l'heure. J'ai bien Chloé à 5 minutes près. On le tenait. Hop, voilà. Alors, Chloé, t'as géré, t'as rendu tes devoirs, nickel, c'est impeccable. Donc du coup, t'es en week-end. Ce que tu fais, tu finis tes devoirs de macroéconomie, ce sera fait, tu seras tranquille. Ça t'aura plus ta présentation et ta disserte pour le week-end, ce sera bien. Paul, de ton côté, tu vas me réparer ça. Ah non, discuter. D'accord, vous allez vous demander ça en bas, vous. Non mais tu vas jusqu'où, Chloé, là? Tu viens, on remonte, on y va. Allez, c'est parti, hop. Des blocs de routage, je vous jure. Un petit peu d'intimité, il n'y a rien de tel. Ça là, le social, il va être bien. C'est Chloé, elle part dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Chercher des pièces, d'accord. Hop. Après, petit bisou. Hein, voilà. Exprimer son affection. Là, j'ai le même bug que la dernière fois. C'est pas validé, c'est comme si Paul il avait tout fait. Et Chloé, bon, on va attendre de lui valider tranquillement. Voilà. Bon bah Paul, du coup t'as fini Chloé par au boulot, donc toi en attendant tu vas jeter ça. Après tu vas m'améliorer le bordel là. Tu vas me faire des distributeurs automatiques de savon partout. Enfin partout, sur trois éviers différents. Parce que je veux que t'aies ta compétence au niveau 7. Hein. C'est pas négociable. Pourquoi t'es mal à l'aise? Ah ouais, l'environnement est dégoûtant. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter, tu vas réparer, hop là, arrête tout de suite. Elle interrompt là, hop là, fais-lui une présentation polie, voilà. Répare. Essuie. Hop, ouh, on l'a échappé belle. Non, parce que ça fait de la compétence bricolage, tout ça. Attends, Paul, il y a un autre WC qui a cassé grâce à ta blague. Tu dois être happy. Propre et satisfait. Ah oui, ça c'est le crac-crac, ça. Il y a encore un truc qui va péter, j'ai entendu tout. C'est bien quand il y a des trucs qui pètent. Allez, recherche-moi des pièces encore. Paul, non, Paul, c'est pas le moment d'aller parler. Paul, commence pas, Paul, hein. Je veux que tu sois un Sims dévoué à ma cause. Merci, Paul. Donc, il va falloir refaire des actions d'amour un petit peu. D'ailleurs, c'est Chloé qui va les faire, voilà. Elle va venir te faire des bisous, complimenter, là, nickel, c'est faisable, hein. Hop, amour, embrasser, voilà, et on va draguer, hop, voilà, comme ça. Après, Chloé, toi, tu vas pouvoir commencer ça, du coup, parce que tu es bien. Bon, ce serait bien que tu le valides quand même. Baiser suave, allez, Chloé,
Voilà, nickel, tu as validé ton truc, c'est bien. Réunir des informations. Tac. C'est bon, tu peux arrêter, Paul. Lui, il est plus romantique que... Il est plus romantique que concentré. C'est un peu chiant, mais... On va faire avec, hein. Allez, Chloé, peaufine-moi ta présentation, comme ça, tu seras peinarde. Le jour de l'amour était une réussite, c'est normal. Il suffisait de valider une action. Et terminé. Oui, bah, c'est plutôt bien passé, tu parles... Elle a fait exactement comme Paul, hein. C'est juste qu'il y avait un bug qui faisait qu'il y en avait un qui avait plus de trucs que l'autre. C'est ça qui est chelou, mais... C'est comme ça. C'est pas parce que t'as vu le match de foot qu'il faut jouer du violon à 3h du matin. T'as cru que t'étais chez Georgette? Oui, j'ai bien sauvegardé, oui. Je dois y aller, c'était vraiment sympa, c'est ça, va-t'en. Les PNJ croient tellement qu'on les aime bien. Alors qu'en fait, il n'y a que ceux qui nous intéressent qu'on aime. Tous ceux qui vont faire évoluer la relation de notre Sims et leur vie, les autres, on s'en fout. Non mais c'est vrai. À combien de PNJ faites-vous attention dans votre jeu? En dehors de celui qui va devenir le petit ami de votre enfant, ou de votre ado, ou de votre Sims, à combien de PNJ vous faites attention? Honnêtement. Mais vraiment attention, hein, je veux dire, avec qui vous entretenez une relation régulièrement, une bonne relation amicale régulièrement. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Que je vois par rapport à moi, justement. Voilà. Ah, ça y est, l'outil commence. Je vais être obligé de me tenir loin parce que voilà, il va m'embêter. A few moments later. Je te dis stop, tiens. Ah, merci. Un peu de silence. Non mais vous apprécieriez-vous qu'un de vos collègues joue tout le temps du violon en garde de journée dans les couloirs de votre chambre? Bah, j'aimerais pas. Déjà, je râle parce que mes voisins, ils font trop de bruit dans les escaliers quand ils marchent. J'ai l'impression que c'est des éléphants dans un magasin de porcelaine. Alors, un voisin qui se met à faire du violon dans le couloir, c'est mort. Non, non, c'est mort. Hein. Le violon, il disparaît dès que le mec, il sort s'acheter un paquet de chips. Hein. Il sort 2 minutes. Ne t'inquiète pas, je te le surveille. Il revient, le violon, il est mystérieusement cassé. Cassé dans la cuvette des toilettes, les toilettes bouchées parce que j'aurais essayé de tirer la chasse d'eau avec en espérant que ça passe. Voilà, mais bien le bois pourri. Whoopi, nous voici arrivés. Et nous allons tout de suite dissoudre la bande parce qu'il y en a encore qui sont venus squatter. Oui, oui, oui. Peut-être falloir penser à corriger ça, Electronic Arts. Hein. Ah bah non, c'est vrai, vous faites des corrections de mise à jour en confinement, vous avez l'excuse de faire des correctifs de merde qui ne marchent pas et qui apportent encore plus de bugs. Non, parce que honnêtement, depuis la dernière mise à jour, vous avez vu combien de bugs corrigés, vous en avez eu combien de nouveaux? Dites-moi, dites-le-moi en commentaire aussi. Avez-vous un jeu super fluide qui ne bug pas? Avez-vous un jeu mieux que le mien ou pire que le mien? Je veux le savoir, je veux savoir, je veux tout savoir, je veux tout savoir. Allez, un petit peu de sérieux. Université, je l'ai vu, il est là. Travaux universitaires, dissertation rédigée, on va la modifier. Voilà. Et Chloé, de ton côté, tac, université, travaux universitaires, dissertation, remettre. Non, rédiger. Cherchez pas, hein, il est 6h du mat. J'ai fait une nuit blanche jeu vidéo. Donc je commence un peu à avoir des étoiles. Ah non, il est 6h40, autant pour moi. Ah, ça veut dire que ça fait déjà 40 minutes que je tourne, mais il va falloir se dépêcher. Hein. Le festival de l'amour est en ville. Attention les amoureux. Non, on n'ira pas. Paul, pourquoi tu n'es pas parti faire ton ordinateur? L'autre, il discute avec une nana, là. T'es censé bosser. Oh, je vais me fâcher, Paul. Chloé, elle fait pas d'embrouille, elle fait tout comme il faut. Toi, tu fais chez ton monde, là. Ah, tu te dis, oui, mais moi, je suis le petit chouchou des copines d'autres, c'est bon, hein, je peux en faire qu'à ma tête, de toute façon, et même pour ça, ça suffit, ça suffit. Tu la vois, la claque, là? Tu la vois? Non, tu la vois pas. Bah, t'inquiète pas, tu vas te la ramasser quand même. Ouais, c'est ça, en plus, fais genre, t'es crevé. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Allez. Quoi, tu peux pas? Ah d'accord, c'est parce que le PC il marche pas. Bah, fallait le dire. Hein. On va prendre une autre, je sais pas pourquoi il peut pas. Hein.
Il y a d'autres ordinateurs, Paul, t'inquiète pas, hein. C'est pas une excuse, hein, le... je peux pas y accéder. Tu vois, il y en a d'autres, là, des PC. Ouais, non, par contre, si vous parlez en même temps, on n'a pas fini, hein. L'autre à côté, il joue aux Sims 1. Ah, les Sims, il y a 17 ans. On était bizarre quand même, hein. Voilà, Chloé, elle est rentrée. Elle va pouvoir aller se coucher. Paul, lui, il est pas au lit. Hein. Il est censé prendre soin de lui, mais il est pas au lit, le mec. Bon, il faut qu'il fasse pipi. Ah oui, mais là, on va avoir un problème. Paul, tu vas pas faire pipi maintenant. Tu fais de l'ordinateur, toi. Donc, t'es pas de la gueule. T'es pas trop posé, Paul. Là. Zoupida au toto. Hop. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit com, un petit pouce, à venir visiter aussi mon Utip. Attends, c'est pas la journée suivante. À venir visiter mon Utip. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous regardez une vidéo qui dure quoi, 15-20 secondes. Ça me rapporte un centime, ça ne vous coûte rien à part 15-20 secondes de votre temps. Et avec ce petit centime, en cumulant, en cumulant, en cumulant, je peux vous offrir plus tard un DLC des Sims 4 de votre choix à vous faire gagner. Donc n'hésitez pas surtout à aller le checker dès que vous avez le temps, dès que vous y pensez, ou dès que vous regardez une de mes vidéos. Voilà. Allez, à ciao, bisous les copinotes, prenez soin de vous surtout, c'est important.